Salut tout le monde, c'est Courte, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Final Fantasy 15. Je sais pas si vous allez bien, j'arrive pas à parler. La dernière fois on s'était arrêté après avoir fait que du secondaire, une petite quête duo entre guillemets. Enfin on a discuté avec Prompto et c'était assez cool. Du coup aujourd'hui on va s'occuper des petits pièges qui se trouvent dans cette zone là. Ça va être la galère je pense, il y aura des ellipses je pense parce que je vous l'ai dit au dernier épisode, je ne les trouve jamais ces trucs de merde. C'est la joie. On va ramasser ça, tac. Du coup, on va commencer par aller au centre de la zone, la base. Alors, je crois pas que tous les pièges soient déjà posés, en fait. Faut les avoir dans l'ordre. Ça, c'est un peu chiant, je trouve. C'est un peu chiant, donc on va essayer de trouver ça dans les plus brefs délais. Je vous ai dit que même avec la soluche, je galère à trouver, donc... je vais sûrement pas la regarder, mais si je la regarde, même si je la regarde, je suis sûr que je la trouverai pas, donc... enfin, je galérerai à chercher quand même. Ah, là, il y en a un. Et en plus, quand ils sont dissimulés comme ça, c'est trop la merde. Ah, tu t'es fait mal, Loclis. Bon, en plus, j'ai été 2 jours de base, et après, je me suis retrouvé 2 nuits. Donc, en plus, 2 nuits, c'est vraiment le bordel. What? Est-ce que ce bug? Celle-là, on l'a vérifié. Attends, je peux revérifier les pièges? Trop bizarre. What? Je sais pas si c'est un bug ou si c'est voulu. Je ne sais pas. Là, il y a un objet. Bon, les objets, on s'en fout. C'est pas affiché sur la carte, donc c'est pas important. Ensuite, alors... Ce qui est cool quand même, c'est que toute cette partie là qui est derrière, on peut pas la fouiller puisque c'est pas accessible. Donc déjà ça nous fait un truc en moins à fouiller. Mais ça reste quand même un minimum grand. Bon, j'essaye de voir au niveau des fougères, mais enfin des espèces de petits arbres là, mais il y a rien. Alors j'ai souvenir qu'il y en avait un là-bas. Je sais pas s'il y a déjà ou pas. Pas l'impression, je sais pas, je vous dis, je sais pas si c'est dans l'ordre, enfin, s'il y a un ordre précis. C'est lourd, encore des maux de tête, c'est quand même bizarre. Ou si, si ils sont tous là et puis il faut juste les trouver, ce qui m'étonne un peu. Du coup, bah, ça a pas l'air d'en avoir un au final, donc c'est sûrement dans l'ordre, je pense. Est-ce qu'il n'y en a pas un au niveau des arbres? La région est infestée d'insectes. T'as raison. Pas l'air d'en avoir. Je l'ai dit, on va chercher comme des porcs. Hein. Il y aura sûrement des ellipses de fête. Peut-être sur ces arbres-là. En plus, on voit rien. Les arbres de merde cachent tout. La branchage à la con. Ouais, je ne trouve pas... Oh, zone de merde. Je déteste les quêtes où faut chercher comme ça et que t'as aucune indication. Celle-là on l'a faite. Elle a été faite. Je chercherai actuellement des pièges si vous voulez bien m'aider, s'il vous plaît, les gens. Aidez-moi. Noct, qu'est-ce que tu penses de ça? Ah, là. Il pourrait m'aider, Prompto Iris. Iris. Prompto Ignis. Pas Iris. Et voilà, ça devrait aller. Le gladiateur, il devrait chercher avec moi quand même, parce que là je les vois qui se baladent, mais ça m'aide pas beaucoup. Hein. Ça fait un de moins, mais bon, il nous reste encore 3, il va pas tarder à faire nuit, j'ai l'impression en plus, c'est génial. Là-bas il y a Yuki, on l'avait déposé sans pression. Là il y en a pas un là. Ça me paraissait très suspect le fait que ça soit caché comme ça là. Ah non, putain, je crois que c'en était un, j'ai fait non. J'aime pas cette quête. C'est comme la quête des grenouilles là, c'est de la merde ces quêtes là. Surtout qu'il n'y en aura pas qu'un seul, hein. Je vous le rappelle, il y en aura plusieurs. Bon. Est-ce qu'il serait pas temps de faire un ellipse? Je vous retrouve à chaque fois, je trouve un item. Je pense que ce sera mieux. Est-ce qu'on arrive bientôt? J'en ai marre. Ouais, je vais faire ça. Bon, bah, à tout de suite, je vous trouve au 3ème piège. Là, je vais trouver un. Ah non, merde, j'ai déjà fait, je crois. Ah putain, merde. Bon bah tout de suite. Celle-là on l'a vérifié. Là, je vais trouver un. Le petit 3ème, bon il va commencer à faire nuit en plus, c'est génial. Si je me retrouve de nuit, je vais en chier comme pas possible, ça c'est sûr.
Ça y est, je l'ai désarmé. Ok, on passe au quatrième. À tout de suite. Là, quatrième. Le cinquième va être le plus dur, je pense. Bon, j'avais souvenir que le cinquième, j'avais galéré plus que les autres. Et voilà, ça devrait aller. Ok, on va tout de suite. Oh putain, il va faire nuit, on va se dépêcher. Oh, je l'ai trouvé quasiment direct. Oh, j'ai fait par déduction. En gros. Ça y est, je l'ai désarmé. Et voilà, on a terminé. Maintenant, le chemin est sûr. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'avais encore affiché les. Attendez, on va monter à d'autres duties. Il y avait les endroits où c'était affiché, et du coup j'ai fait à peu près, genre par exemple, si on a 3 par ici, c'est de l'autre côté de la carte du coup, parce que là il y en a déjà eu assez, machin, patati patata, enfin j'ai essayé de faire en sorte de comment dire, genre approximativement ça devrait être par là, puisqu'il y en a eu, il y en a un vous ici, un ici, enfin, un comment je pourrais expliquer, en gros je fais à peu près, genre par exemple, dans une, tu sais qu'il y a 5 objets dans une zone. T'en as trouvé 3 sur. T'as trouvé un à gauche, un en haut, un sur la droite, un en bas. Tu vas techniquement chercher au milieu puisque c'est le plus espacé de tous. C'est un peu comme ça que j'ai procédé et ça a plutôt bien marché. Je suis assez content. Merci à toi, Chocobo. Merci à toi, Chocobo. Merci beaucoup. Grâce à vous, je vais pouvoir conclure cet accord avec Vinon. Si vous retournez tout de suite à l'Estaloum. Transmettez-leur mes salutations, surtout. Et ben on va s'y rendre tout de suite. Normalement. Ok, ça sera plus tard. D'ailleurs, est-ce que c'est... Comment ça s'appelle ? Chariot en péril. Normalement, il sera fait. Hein. Ouais, il sera fait. Il s'affraie, ne vous en faites pas. Tac, du coup, là, c'est là. Ok, tout est là-bas. Donc on va s'y rendre tout de suite, petit Yves, ce temps de la téléportation qui va sûrement être un peu long comme on est assez loin. Donc à tout de suite. Ah mais non. C'est risqué de conduire la nuit. Restons-en là. Tu as raison. Eh oui, putain je suis con, il fait nuit, j'avais pas fait gaffe. Ouais, on fait une pause. Bon du coup on va retourner dormir là-bas. Tant pis si ça prend un peu de thunes. Pas grave. Contente de vous revoir. Une bonne nuit ici vous sera utile. Oui, pas trop le choix. Hein. On n'aura pas quand même, on aura aussi pas pu monter sur l'arcade, enfin sur l'arcade au dernier épisode. Hein. Je suis très déçu. J'ai gagné que dalle comme XP, c'est génial. Quel sens de la composition ? Ouais, bah y'a rien qui me tente. Alors est-ce qu'on a une note cinématique peut-être ? Qui sait, ça se trouve, Prompto va décider de nous reparler. Ouais, non, dommage. Parce que normalement, ce genre de quête, on peut les faire qu'une fois, il me semble. Donc c'est pour ça que je sauvegarde à chaque fois pour être sûr. Enfin, petit Yves, je vous retrouve à l'Estaloum. Ok, nous y sommes alors. On va parler un petit peu à tout le monde, hein ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On va déjà aller voir Vive, qui est la voix de Dexter d'ailleurs, ce qui me perturbe énormément. Ça s'est bien passé les photos. Bah à toi de nous le dire. Boum. Et boum. Bon on va les enregistrer hein. Oh comme c'est joli. Vous avez du talent. Je pense que mes lecteurs vont adorer ces images. Attends parce que t'as des lecteurs. Ouais en fait j'édite un magazine Meteor Publishing. Vous connaissez. Non. Non, pas du tout. Eh ben maintenant tu connais. Tâchez de vous en rappeler. Voilà, votre récompense. Si vous avez encore besoin d'argent, n'hésitez pas à revenir me voir. Mon nom c'est Vive. On se reverra sans doute. Et tu vas nous filer 5000 guilds et ça c'est très appréciable. Boum. Et c'est ce que je craignais, on peut déjà enchaîner avec ces quêtes de merde. Bien, les photographes. Vous avez une minute? J'aurais une autre mission à vous proposer. Encore des photos, je présume. Oh, oh tu piches vite, toi. Il me faudrait des clichés de l'île d'Angelgarde. Vous connaissez? Elle se trouve dans la baie de Galdina. Ouais, je connais.
Oui, c'est un endroit célèbre, presque mythique. Enfin bref, il me faut de beaux clichés. Pour les lieux et le cadrage, je fais confiance à votre excellente sens artistique. L'île de légende. Alors, juste je regarde s'il me le propose pas sur une autre page, en fait. Ce qui m'arrangerait. Bah, pas celle-là. J'aime bien parce que... Ah putain. Entre le chapitre 4 et le chapitre 5, c'est le même endroit. Du coup, il y a des... On va faire... En gros, le volcan, là. C'est un volcan, ça. Attendez, ça s'appelle comment? Bah, le météore. Ah, mais non, c'est pas un volcan. Mais non, je suis con. Attendez. Ah non, c'est pas un volcan, c'est un trou, je crois. Ah, oh, je sais même plus. Je sais même plus. C'est là où le météore s'est crashé. Ouais, non, c'est pas un volcan, du coup. C'est un trou, ouais, parce que je disais volcan, parce que je suis désolé, mais ça... Quand tu vois ça, tu penses à volcan, hein. Voilà, le volcan il est là en fait. J'ai confondu. Là, oui, je spoil, ça c'est un volcan. Voilà, enfin je crois. Ou alors c'est juste une montagne, je ne sais plus. J'ai un doute. J'étais allé une fois, il me semble, mais c'était il y a fort longtemps. Non, du coup là c'est là où le météore s'est crashé, donc c'est pas un volcan, c'est juste un trou. Et je pensais que ça montait, c'est pour ça. Il va y avoir le chapitre 4 et 5 qui va se faire là-dedans. On va juste attendre, ça m'intrigue vraiment la quête, donc on va. Attendez, comment ça s'appelait déjà? Photographe de légende? Non, l'île de légende. Ah, l'île de légende! Ah, attendez, c'est peut-être dans très longtemps ça. Oh, et les gens? Ça va être problématique. Parce que là, il me propose une autre quête avant de faire la sienne. Enfin, genre, comment dire, genre la. En fait, il me propose la quête qui est après celle-là. Et il me dit pas d'aller là-bas pour faire la photo. Bon, c'est pas grave, on va la faire. On va se taper, on va la faire tout de suite. Enfin, pas tout de suite, on va d'abord finir les autres, mais on va la faire quasiment direct, donc. Donc voilà. Il va réellement publier mes photos? C'est un peu bizarre, mais. Je crois pas. À mon avis, tout ça n'est qu'un alibi. Il devait se douter qu'on refuserait pas. Du coup. On va faire gaffe à pas oublier les quêtes. Bon, on va faire celle-là en premier. Parce que c'est celle qui est un peu à l'écart. Il y en aura deux autres quêtes à valider après, mais je crois qu'eux aussi vont nous refiler des quêtes, ça va être trop chiant. Enfin, ça va pas être chiant, mais ça va être ça me fait chier parce que c'est ils me les affichent pas sur ma carte, du coup, je vais être un peu paumé. J'espère que le sol est quand même resté stable. C'était ça que vous vouliez. On est d'accord. Ah oui. Vous n'aviez pas oublié alors. Bien, je vais ajouter des armes à ma gamme. Ça m'a bien rendu service. Merci. À une autre fois. Vous bénéficiez maintenant de prix réduit. Oh, je vais pleurer. J'aurais pu avoir des prix réduits. Moi, j'ai foncé dans le tas comme un abruti. N'hésitez surtout pas à regarder. Je me sens trop con. Je suis dégoûté. Allez, à bientôt. Ah, si tu proposes une autre quête. Oui, putain. Oh, c'est bon. Ah, salut. Est-ce que vous pouvez m'en ramener encore? Quand vous aurez du temps, bien sûr. Je me fatigue des fois. L'île de légende me l'affiche déjà. Après avoir rempli la quête paisible paysage, parlez de nouveau à Weave et s'il vous envoie cette fois-ci dans la baie de Galdila photographiée. Ouais, d'accord. Si je regardais mieux, on s'en sortirait mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, cette quête-là n'est pas du tout dans ma canne, donc on la frappe. Si? Attendez. J'ai vraiment du mal à me situer comme la carte est vachement grande. Si c'est dedans. C'est dedans, bah génial. Sauf qu'il me l'affiche pas, pareil, j'en ai marre. Si je vais ici. Attendez, comment ça s'appelle? Un tour de force. Je n'ai pas un tour de force ici. Non bah attendez, je suis pire, j'ai une liste, pourquoi je me fais chier à chaque fois? Quête secondaire, t'es où? Parce qu'à chaque fois, je cherche un peu partout, mais je pourrais tout simplement regarder cette chose-là. Ouais, non, je l'ai pas. On va regarder ici. Il me le propose pas. Bon, je suis désolé, alors les petits moments où on fait rien comme ça, mais je veux pas faire de conneries. Là, c'est pas bon non plus.
Oula, c'est très bizarre là ce qui se passe. Ah oui, non, c'est pas... D'accord. Non. Bon, faudra qu'on la fasse. À moins, attendez, à moins je me prends la tête encore pour rien. Il m'avait demandé quoi avant, je me souviens plus. Une démonstration de force, je crois. Ouais, bon, tant pis, faudra qu'on y passe pour la faire. Du coup, on va continuer. On a combien de temps? On est à 20 minutes. Ça va, j'ai encore le temps de faire quelques trucs. Une quête. On va aller... Ah, par contre, ouais, affiche-moi où c'est précisément, parce que j'ai pas envie d'en oublier. Celle-là est là. Ok. Ok, et puis pour s'y rendre aussi, que je me pompe pas non plus, hein, que je me retrouve pas à l'autre bout de la map. Bon, j'exagère, mais à l'autre bout de la ville, j'en serais très bien capable. J'ai beau connaître cette ville très bien, je peux me foirer. Sauf que aussi, il me donne d'autres quêtes, c'est ça le problème, ça me rend ouf. Ça me rend fou. Branche de poivre. Ah, merci de votre aide, merci. De bons produits frais, y'a que ça de vrai. Et alors, vous voulez goûter pour voir? Non, une autre fois, merci. Allons, faites pas de manière. En plus, j'en ai tout un stock à prix spécial grâce à vous. Alors, admirez bien l'étalage. Oui, vous bénéficiez maintenant de prix réduits. Difficilement trouver plus frais comme légumes. Ouais. Ça doit être délicieux, non? Ouais. Et si tu essayais de goûter? Ouais, quand j'en aurais envie. Et ça t'arrive d'avoir envie? On crève de chaud. Il me propose encore une autre quête. Bonjour les chasseurs. Ça va? Dites, si vous avez un peu de temps, j'ai du travail pour vous. La cueillette, ça vous connaît maintenant, hein? Pas de saut, hein? Pas de saut métier. Ah putain, il me le propose pas non plus. Oh, où est-ce que c'est? Oh, ça va. Je pense, à mon avis, si je vais à la page suivante. Eh ben non. Eh ben non, connard. Qu'on s'appelle pas de ce métier. Oh lolo, c'est abusé ça. Oh. Ah c'est bon, je l'ai. Ok, bon, on ira pas. Enfin, on attendra. Quand il me la donnera, pff, je sais pas. Je sais pas quoi faire. D'ailleurs, pendant la cinématique, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. La quête de Gladio. Le truc de Gladio, je le ferai peut-être pas pendant le let's play. Je le ferai peut-être après le let's play. Enfin, après l'histoire surtout. Parce qu'en fait, je suis en train de me dire, s'il y a des moments qui spoilent la suite du jeu, ça me ferait un peu chier de vous le proposer avant. Vous voyez? Donc je sais pas, je tournerai peut-être avant, mais je vous le publierai en fonction, je sais pas, on verra. Je verrai à ce moment-là, de toute façon, on n'y est pas encore. Alors. Je vais activer la quête. Faut que je te parle, c'est tout. Merci beaucoup pour votre aide. Nous avons réussi à recontacter le chasseur. Nous pourrons proposer à nos clients d'excellents produits au meilleur prix. Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons une bonne journée. Ouais. Nous avons un nouveau stock en rayon. Vous verrez, nos prix sont très raisonnables. Ah. Mon petit-fils est un peu précoce. Vous bénéficiez maintenant de prix réduit. J'aurais fait ça, bon j'ai rien acheté encore, mais putain j'aurais acheté des trucs, j'aurais été dégoûté encore plus que le mec des armes. Enfin pareil en fait. Ah, si tu proposes autre chose, dis-moi que non, tu me proposeras un autre, c'est parfait. Comme ça je vais pas me perdre un peu dans toutes ces quêtes. T'es sûr que t'étais pas comme ça, Ignis? Je pense pas, du moins j'en ai pas le souvenir. Il était comment déjà? Je me souviens plus trop à vrai dire. Il devait pas être si différent d'aujourd'hui. Je pense, ouais. Ça parle encore d'Ignis dans sa jeunesse. On va vite faire aller faire la photo. Donc je vais faire une petite île. Je vais y aller en me téléportant. Je vous dis à tout de suite. Alors. Putain, mais il va déjà commencer à faire nuit. C'est un truc de ouf. On va aller prendre la petite photo qui va être très jolie d'ailleurs. En se disant passant. Hop. Qui va être très 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 joli, surtout comme c'est bientôt la nuit, enfin c'est coucher de soleil. Prends une photo mémorable dans le game, comme ça en mode coucher de soleil, ça va être très beau parce qu'à la plage les couchers de soleil sont géniaux, même si le soleil ne se couche pas
au niveau de la plage, il se couche derrière la montagne, comme ça c'est bien chiant. Comme ça on n'a pas le magnifique coucher de soleil qu'on veut. Mais c'est pas grave, on va rien dire. Là. Note. T'oublies l'île d'Angelgard. Oh, il va pas chipoter. Bienvenue hein. À Galdina. Ah, c'est lourd. Encore des maux de tête. C'est quand même bizarre. Ici c'est mort. Il va pas chipoter le monsieur. Là on la voit très bien, oui voilà c'est très bien. Quoique. Attends, on va essayer d'aller voir un peu plus loin. Bon, ça c'est pas mal, j'ai plusieurs coins de photographie. Une petite photo. Ouais d'ici ça peut être bien. Séquence photo. C'est très bien d'ici. Bien. On a ce qu'on voulait. Ok. J'allais dire on va se TP mais il faut que je passe par la galère sinon ça marche pas. Je sais plus ce qu'il me propose comme argent après mais ça peut être triste parfois. Petit je vous retrouve à côté de Vib. Ok, on se retrouve. Ah, il fait nuit déjà. J'ai regardé quelques trucs parce qu'en fait prochainement on va aller ici, par ici là. Et sauf que ma carte me propose énormément de choses par ici là, avec plein d'items et tout, mais aucune quête. Je sais pas en fait si j'ai aucune quête mais... Attendez. Ah si, ah putain il y a lui. Tu m'emmerdes, tu casses mon délire. Parce qu'en fait il me propose, bah du coup il me propose que cette quête là c'est ça. Ah il me propose que cette quête. Dans cette zone là et... Je propose qu'on la fasse plus tard en fait. Comment elle s'appelle déjà? Un tour de force, ah ouais putain j'avais même pas trouvé. Parce que... Ah bah du coup... Attendez, je suis désolé, je vous embête. Je vous embête parce qu'on fait rien pendant ces moments-là, mais bon. Je vous dis, je vais pas faire de conneries. Un tour de force, ça doit être ici, je pense. Eh ben non, génial. Ah non, là ça risque pas d'être là. Je suis désolé, c'est là. Ah, il me la propose plus tard, on la fera plus tard cette quête là. Il me la propose plus tard, je l'ai vu, j'ai pas vu quel chapitre c'était, ça peut être le... Bah, ça sera dans longtemps, ça c'est sûr. C'est ce que j'ai vu le nombre de pages que j'avais d'écart. Alors, vous avez les photos? Ouais, on en a plusieurs. Oh, regarde celle-là. Le bleu comme ça, c'est... Oh, j'aime pas du tout. Ces images sont franchement fantastiques. On vous a jamais dit que vous aviez du talent? Elles vont vraiment être publiées dans ton magazine? Ah oui, je pense qu'elles ont leur place. Sérieux? Ben oui, bien sûr. Je veux publier un article sur les lieux de légende. D'après ce que j'ai vu, vos photos sortent de l'ordinaire. Pensez à revenir me voir. Heureusement que tu donnes beaucoup de thunes, hein, parce que franchement... Ça me fait chier d'enchaîner les quêtes du même mec qui sont pas affichées sur ma carte, hein. Bon, j'ai gagné pas mal de guilds, ça c'est très cool. Ah, voilà mes photographes! Parfait! Puisque vous êtes dans le coin, je vais vous confier une mission. Ouais, d'accord, pourquoi pas. En fait, j'ai besoin d'images pour ma grande enquête sur les légendes d'antan. Pas de problème. Tu veux qu'on aille où cette fois? Au ravin de Taelpar. C'est la vallée qui sépare Klaigne et Duskay. Sa formation remonterait à l'âge des dieux. J'ai besoin de deux photographies du ravin, mais sous deux angles opposés. Vos photos seront l'élément vendeur de l'article, alors appliquez-vous bien, hein. Soyez inspirés. Alors ça, je ne pense pas pouvoir le faire maintenant, enfin c'est en dehors de l'endroit où je vais m'en rendre, il me semble. Bah pas vraiment en fait. Mais qu'est-ce que tu m'emmerdes à me filer des quêtes à la con là. Pardon. Ouais, je vais peut-être passer à côté. Ouais, mais il me l'a... Attendez. je crois qu'il me la propose plus tard, celle-là aussi. Donc, je la ferai aussi plus tard. Comment ça s'appelle? Guerre divine. Il me semble... Non, ça peut pas être là. Il me semble que je l'avais vu tout à l'heure, pendant que je cherchais, pareil, parce que c'était... Il me disait... Ouais, voilà. Il me dit d'abord faire l'île de la légende. Ok, je la ferai à ce moment-là. Ah, mais c'est la même page où il y a... Un tour de force. C'est au chapitre 6, ça sera au chapitre 6 les gens. Du coup, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va aller dormir. Parce qu'il fait nuit. Et putain, mais j'aime pas dormir ici, c'est trop loin à chaque fois.
À moins qu'il y a... Non, à chaque fois, faut aller tout là-bas, il faut traverser la ville alors, puis ressortir. Qu'est-ce qu'on attend, Nat ? On y va ? Oula, t'excites un peu trop, toi, je trouve. Non. Faut le comprendre, oh. C'est un peu son rêve. Je sais pas, j'ai cru voir Full Metal, enfin les abréviations. Oui, toujours la même chose. Bah si, il y avait les initiales. Je crois. Je sais plus. Il y avait FM et A, je crois, quelque chose comme ça. Bon, c'est presque pareil. Bon, tu me diras, non, pas techniquement, il y a aussi un... Oh, je sais plus. Il me semblait que les initiales, c'était FM... FMA, je sais pas quoi. Oh, je sais plus, bon, bref. Je suis pas un spécialiste de Full Metal, alors j'ai juste lu le manga, c'était il y a très longtemps, je suis un peu trop de l'histoire. Je voulais une On se repose. Je suis un peu trop de... Enfin, je suis un des grandes lignes, je suis un du début et de la fin surtout, mais... Après, je suis un de quelques trucs qui se passent, mais c'est très vite fait. Hein. J'étais tout petit quand je disais Full Metal. J'ai pris deux levels, là. J'ai pris deux putains de levels, ça ne rigole plus. Ah, wow, ça en prend. Cool, celle-là. C'est vrai. Je l'aime aussi. Ça, elle est très stylée. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On va pas prendre trop de photos non plus. Hein. Sinon, on va jamais s'en sortir. Du coup. Alors. Ça, c'est bon. Je suis en train de regarder ce qui me manque. Ok, ça sera fait. Ok, les quêtes qu'on a à faire sont assez proches l'une des autres, donc ça devrait le faire. Du coup, on va se rendre à la Regalia et on va commencer à avancer. On va récupérer les items et tout. On aura aussi un petit point de pause qui il faudra fouiller un petit peu. Il n'y aura pas de quête du haut normalement. Et du coup, il y a un truc qui me dérange un petit peu. Alors, je l'ai garé où la Regalia ? Elle est là-bas, je crois. Ouais, elle est là-bas. Il y a un truc qui me dérange un petit peu, c'est le fait que, vous savez, la quête, je disais une quête duo avec Prompto, mais c'était pas vraiment une quête duo, et ça, il me l'avait pas affiché. Or, ces quêtes-là, j'aimerais beaucoup les faire. D'ailleurs, attendez. Est-ce que... Non. Est-ce que il me l'a considéré comme quoi? Enfin, c'était quelle quête? Il me l'a considéré que dans quelle quête? Parce que ça se trouve, il me l'a pas considéré comme une quête, donc... Ça me ferait un peu chier. Attendez. Non. Inis a proposé un... Ouais, non, ça c'est quête duo. Non. Ah, putain, c'est pas des quêtes. C'est pas des quêtes. C'est fort emmerdant. Bien qu'il fasse un peu chaud. Je vais plutôt aller par là. Alors juste attendez avant de... je sais plus où c'est. Je crois que c'est là, attendez. On va juste, comme j'ai 19 guilds, on va juste aller voir si on peut pas acheter quelques autocollants et tout le bazar là. Hop. J'ai plein de nouveautés. On peut acheter ça. On va le faire. Merci à vous. Au moins ici on aura tout. Je suis un qui a des autocollants. C'est quoi ce signe? Ah oui, non, c'est bombe de glace. Il me semble qu'il y a des autocollants ici. Mais ici, je crois qu'il y en a pas. Il écrit quoi là? Droguerie de 6 paires. Voilà, on vend de la drogue en toute légalité. Ça, il n'y a rien, c'est sûr. Mais attendez, on va juste aller voir ce qu'il y a là-bas. Donc, allez, on va sortir la Regalia. Comme ça, elle sera plus proche. Hop. Je peux pas me TP, c'est très chiant. Bon, je devrais appeler Yuki dans ce genre de ville, comme ça je pourrais aller plus vite, mais bon, voilà. On va faire de la manuelle. On regarde la ligne de la seconde. C'est oui. Allons-y. C'est poti. Alors, je sors où je veux. Moi, je veux sortir là-bas. Merci. Ça m'arrange énormément. Hop, et tu vas tout de suite te garer ici. On descend là. Ça marche. J'ai eu peur qu'il me fasse vous un demi-tour et qu'il se gare où on était garé à l'instant. J'aurais eu trop le seum. Est-ce que tu vends des trucs intéressants? C'est pas ici, c'est pas dans la rue. Enfin, des trucs intéressants. Est-ce que tu vends des trucs de voiture? Je crois pas, hein, j'ai pas le souvenir. Oh, vous revoilà. Non, il ne... Parfait. Repassez-moi. C'est parfait tout ça. C'est parfait, on va pouvoir... Bah, il ne reste qu'un seul endroit où on n'a pas acheté tous les trucs. Hein. C'est ici.
Enfin, pour le moment, bien sûr, plus tard, on en aura d'autres, je pense. Mais concrètement, c'est ici qu'on a rien acheté. Enfin, je crois qu'on a rien acheté. Hein. Bienvenue. Ah si, on a acheté quelques trucs. Ouais, mais alors... Putain, ça coûte cher quand même, hein. Attendez, cet appareil propulse de l'air à l'avant pour diminuer la résistance de l'air. Oh, mais c'est des buffs. Ça, c'est des améliorations. Azaran d'essence. Moi, je pensais que c'était des autocollants et tout, mais j'avais pas lu. Azaran d'essence supplémentaire qui permet de voyager plus longtemps sans faire le plein. Un traité sur les couleurs du niveau avancé permet de peindre la regalia avec des couleurs. Bon, c'est un peu de la merde. Alors, je l'ai toujours le truc une fois que je l'ai acheté. Attendez. Merci à vous. Au plaisir. Attendez. Merde, putain, j'avais mes mains sous. Alors, pour. Vous savez, les bureaux, on peut tirer un petit truc. Au niveau des genoux. Bah, j'avais mes mains en dessous. Et quand j'ai mes mains en dessous, c'est. Enfin, je suis grand, ma chaise est haute. Et j'avais mes mains sur mes genoux en fait. Et puis je pouvais plus bouger mes mains, du coup ça m'a fait un peu chier. Voilà, c'est tout. Alors du coup là j'ai deux réservoirs. On y va ? Ah non. Faut peut-être que je demande à Cindy de me l'équiper. C'est bien possible ça. C'est bien possible, faudrait qu'on retourne la voie. Bon, on est enfin prêt. On va aller récupérer l'item. Qui se situe. Alors, il y a un item tout là-bas, mais il y en a un autre avant. Ah! Ah non, c'est bon, j'ai eu peur. Je croyais que c'était un pont comme ça tout le long. J'ai fait. Ça va être en Merlin. Enfin, sauf si on peut pas passer par au-dessus. Non, si là-bas on devrait pouvoir. Alors, attendez, l'item est quasiment là. Bah, il est juste après le tourne. Oui. Juste là. Il doit être par ici. On descend là. Et à tous les coups, il va y avoir un coffre parce que c'est dans un coin paumé. On a besoin d'exercice. Et normalement, ça sera un super élixir. Donc c'est pas négligeable. On va appeler Yuki. J'imite bien le bruit, hein. On y va. J'imite bien le bruit. Ah d'ailleurs, pendant que j'y pense, je vais vous parler d'un truc après. Alors attendez, que je regarde précisément où c'est. C'est un peu plus sur la droite. FF14. La fameuse promesse que je vous avais fait, que j'ai pas tenue parce qu'au final c'était super chiant. J'en ai parlé avec un pote qui est fan de FF14. Enfin, qui est fan de FF tout court, mais FF14 il a kiffé. Il a joué des heures dessus. Et du coup, il m'a dit. On a discuté de. Putain, Yuki, mais tu t'es coincé où encore là? Putain, mais comment je ressors moi? On a parlé et tout, et je lui ai dit que j'avais fait des vidéos dessus, j'avais fait je sais plus 120, quelque chose comme ça, vidéo dessus. T'as raison. Et que je faisais juste l'histoire principale et quelques quêtes secondaires en plus, mais surtout que je me concentrais sur le principal et tout. Je crois que j'ai vu un truc qui brille. La réponse est pas du tout. Je suis un peu loin, j'ai l'impression là. Quoique, pas vraiment en fait. Pas vraiment, je suis quasiment dessus en plus, j'ai l'impression. Et ah, bah ça doit être à côté du caillou. Même pas, d'accord. Et il me disait que il a beau être fan de FF14, il pense pas qu'il aurait regardé parce que ça doit être un peu chiant quoi. Et j'étais entièrement d'accord avec lui. Enfin bref, donc je me suis dit j'ai bien fait de pas les publier, du coup ça aurait été, j'ai envie de dire, une perte de temps. Très clairement, voilà, il est juste là. Il y a pas eu de trésor du coup, je suis dégoûté. On se reverra. On a cherché comme des porcs à la place du coup. Ah mais c'est pas ça, d'accord. Oh, ça. Génial. Normalement c'était un super élixir. J'ai bien fait de regarder, j'aurais pas regardé, je me serais dit ouais, j'ai eu l'item, c'est bon, je me tire. Du coup là je vais devoir chercher encore. Ah, j'ai vu un truc briller. Attendez, on va descendre de Yuki parce que c'est vraiment trop la merde ici. C'est vraiment trop la merde. Enfin bref, du coup on a parlé de FF14 et tout, et il y a une extension qui va sortir, je sais plus quand. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je crois que t'étais dehors. Il y a mon chat qui vient d'arriver. Quelle rapidité! Attention, vous allez pas en croire vos yeux. Futu de combo. On l'a déjà entendu celle-là. Effectuer deux combos. C'est un combo ça. Et boum, et d'un. Et de deux. Voilà. Remarquable.
On va reprendre la lance. Et du coup, bon, on a parlé d'FF14 et il y a une extension qui va sortir. Alors, sachant que j'ai pas eu la première extension, je sais plus laquelle c'est, je me souviens juste qu'il y avait une nouvelle classe. On pouvait monter level 60 et il y avait. Il y avait une nouvelle race, pas une nouvelle classe. Bon, on devait y avoir aussi des nouvelles classes, en bref. Et cette extension, je ne l'ai pas, donc lui il l'avait, donc il est très loin devant moi, enfin il a joué beaucoup plus que moi. Au suivant. Du coup, il est vachement plus avancé que moi, il a énormément de classes. Moi j'ai une classe level maximum, lui il en a une, je crois qu'il en a qu'une au maximum, mais il a beaucoup de. Putain, je trouve pas cet item. Il a beaucoup de. D'autres trucs niveau genre 40, 50, des trucs comme ça, enfin bref, on a discuté et tout. Et il m'a hypé le ouf sur la nouvelle extension et tout, qu'on pourrait monter level 70, etc. Enfin bref, qu'il y aura énormément de choses en plus. Et du coup, je pense y jouer. Je pense jouer avec lui un bon mois pendant mon mois de vacances. Avec l'extension et tout le bazar. Donc normalement, si j'achète l'extension, apparemment il y aura peut-être des patchs, on sait pas trop. Sur l'extension d'avant, donc comme ça il y aura pas de soucis sur le fait que j'ai tout en fait, tout simplement. Putain, je trouve vraiment pas cet objet. Je suis au bon endroit normalement. Attendez, là il y a la boss, enfin la boss entre guillemets. Normalement l'item est pas loin, mais pourquoi je le trouve pas? Et du coup je pensais faire des condensés dessus. Ou alors des combats de boss ou des trucs comme ça. Je trouve vraiment rien. Parce que juste faire le jeu, c'est. À regarder, c'est. Enfin, à jouer, c'est super bien. Moi, j'ai trop kiffé. Mais à regarder, ça doit être super chiant. C'est aussi pour ça que j'ai jamais trouvé de let's play dessus, je pense. Je trouve pas l'objet. Bah, je vais faire une petite ellipse du coup. Enfin, bref, du coup, peut-être faire des condensés sur le jeu. On verra si je suis motivé. Mais il y en aura pas beaucoup, je pense. Parce que je passerai plus mon temps à jouer qu'à parler. Enfin, voilà, on verra. Enfin, bref, petite ellipse du coup. Parce que je trouve pas l'item. Je crois que je pourrais m'en charger tout seul. Sans doute. Quoi qu'on va peut-être se faire le monstre ensemble. Bon, d'accord. Bref. T'aimes pas les insectes, toi non plus? Moi? Grave. Ça me dégoûte. Petite ellipse, je vous retrouve dès que j'ai l'item. Oh les gens, j'ai failli abandonner. Mais oh yes. Alors j'ai pensé à faire une petite astuce, c'est de poser un marqueur sur le truc, enfin sur l'item. Comme ça, il n'y a pas de. Attendez, juste, j'aimerais le poser sur la régalia, je peux. Bref, et placer un marqueur à peu près où il est. J'y avais pas pensé. C'est une bonne idée, je trouve. Enfin bref, du coup au moins ça c'est bon. On a récupéré cet item qu'on a galéré, ça fait une heure que je suis dessus. Enfin une heure, j'exagère, mais ça fait. Et on est déjà bientôt à 50 minutes. Ça fait quand même un petit moment que je suis dessus. Du coup on est reparti. Bon, je pense qu'on va s'arrêter sur le prochain parking. Ok, on y va. Normalement sur le prochain parking d'ailleurs il y a. Ah non, pas du tout. Non, c'est beaucoup plus long en fait. Non bon, ça arrêtera au prochain parking, c'est-à-dire dans pas très longtemps. On va juste récupérer un autre item, mais là. On devrait le trouver parce qu'il y a un coffre dessus. Je pense que c'est bon. On récupère un trésor. On s'arrête au parking. D'ailleurs, il y aura un petit objet en dessous le parking. On le récupérera. Il y aura aussi un sanctuaire. On ira récolter de la magie, sauf si je suis full. C'est comme ça qu'on fait. Je suis pas full. On ira récupérer de la magie. D'ailleurs, putain, je vais y arriver. J'avais créé un putain de sort. Non, bah ce sera le moment de le faire peut-être. Ah ouais, non, peut-être pas en fait. Je peux pas. Non mais j'ai fait un peu de... Ah, il me faut du feu aussi. Il faut que je fasse du feu. Pareil pour avoir... Ouais non, on va dire que ça c'est le feu. Ouais, ce sera très bien. Ok, je ferai un méga sort après. Dès que j'aurai assez. Et normalement il n'y a pas de quête en duo. Donc ça devrait le faire. Alors on y est presque. On va se garer ici. Donc voilà, donc FF14 peut-être en vue. Ça sera sûrement au mois d'août. Normalement, si tout se passe bien. Et ça se trouve je vais même pas y jouer. Quel est le programme? C'est juste pour dire, parce que si c'est encore la dernière fois et que je trouve que c'est chiant ou que j'ai pas d'idée, ça vaudra pas le coup de faire des vidéos dessus si ça me plaît pas. Enfin, si ça me plaît pas à moi, bon, ça peut peut-être vous plaire à vous, mais si ça me plaît pas à moi, j'ai pas envie de publier un truc qui me plaît pas, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si à moi la vidéo ne me plaît pas,
Pourquoi la publier? Alors je pensais qu'il fallait monter, mais on va quand même monter pour voir. Parce que ça m'intrigue. C'est une méga potion que je devais avoir. C'est pas une méga potion que j'aurais dû avoir. Je crois pas, attendez. Mais ça ah, si. Va jusqu'où comme ça? Si, si, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Bon, putain, c'est toujours aussi long de monter. De toute façon, on va sauter. On va, en descendant, on va sauter parce que sinon. Putain, ça monte encore, je crois. Sur cette le bordel. Voilà. Enfin arrivé. Oh non, j'aurais jamais dû monter. Oh. Mais en fait, si, j'ai bien fait. Ouais, bon, c'était un peu flouté, trop bizarre. Hein. Oh, c'est quoi cette aberration? Ça a été mal chargé ou quoi? Ils ont pas fait l'effort de. Oh, mais c'est trop moche! Regardez ça! Regardez! Là, c'est tout bien fait. Et boum! C'est moche. Alors, regardez, il y a un truc qui vient, mais je pense pas qu'on puisse monter à bord. En fait, ici, on va devoir revenir, je crois. Alors, je sais pas si c'est ici en particulier, mais il y aura des trucs comme ça où il faudra monter. Non, je peux pas interagir avec ce truc. J'ai pas l'impression, ouais, non, non, c'est juste... Enfin bref, faudra monter sur des poteaux électriques et... Je peux pas... Oh putain, je peux pas sauter... Oh putain... Bref, il faudra monter sur des poteaux, c'est... Une madame qui va nous demander ça plus tard, je sais pas dans combien de temps, mais ça sera plus tard. Et en gros, faudra monter sur des poteaux électriques comme ça et réparer les... Ou vérifier, je sais plus si on peut réparer, mais vérifier que tout se passe bien. Enfin, voilà quoi. Alors, attendez, que je rate pas de quête. Normalement, j'ai pas de quête en chemin. On va retourner à Régalia, on va aller au parking, on récupère le dernier objet et on va dormir au... On va pas dormir au sanctuaire, il fait pas assez nuit, ou peut-être que quand on y sera, il fera nuit. Mais il faudra qu'on récupère quand même la magie. Et après, on s'arrêtera là parce qu'on est déjà à 50 minutes. En plus, moi, je commence à avoir faim. En avant, on y va? Enfin non, je suis pas spécialement faim, mais il est 17h donc j'ai faim. Mec, il mange que pour manger. Non, non, j'ai quand même faim, sinon je mangerai pas, ça sert à rien. Sauf si c'est des pizzas ou des trucs bons quoi. Bien sûr, naturellement, bon, j'ai pris pizza comme exemple, c'est pas forcément ce que je préfère. J'aime beaucoup les pizzas, mais si je devais donner mon plat préféré, ça serait... Je sais pas. J'aime bien les pizzas. J'aime bien les lasagnes, j'aime bien les raclettes, j'aime bien les tartiflettes. J'aime beaucoup le fromage. C'est pour ceux qui ne le savent pas, j'aime énormément le fromage. Mais j'aime bien le fromage, mais pas le fromage qui pue. Ou genre... avant j'aimais bien le camembert, maintenant j'aime plus. Ou alors fondu. Qu'est-ce qu'on fait? Fondu, je trouve que ça n'a pas le même goût. Enfin après ça dépend le camembert. Si c'est du camembert qui fouette à mort, je déteste ça. Par contre si c'est le camembert crémeux, mais pas genre... Bah, comment dire? Genre, qu'il soit bon. Enfin, c'est trop bizarre de dire qu'il soit bon, mais genre. Attendez, item et. Et bah, attendez, il est juste sur le chemin du parking, donc on va y retourner. Hey, Nob, en haut. On s'en fout. Ouais, par contre, je ne vois pas le chemin du parking. Parce que regardez sur la map, on voit très bien qu'il y a un chemin. Je suis dessus, mais je le vois pas. C'est génial. Ah, par contre, vous êtes level combien vous? Ouh putain, il est juste au-dessus de nous ce bâtard. Vous êtes level 25. Franchement, c'est faisable. Non, mais pourquoi tu tapes? J'étais juste en train de courir. Hop. Le camembert, bah ça dépend. Je si. Qui est pas resté un mois dans ton frigo, voilà. C'est périmé en gros, mais. Ah, ils aiment pas les. Oh! C'est très stylé. Hop. Oh là là. Et on fait des combos! Le jeu il se tape des barres là. Il est à fond. Oh merde, putain, mais. Oh, le petit, t'as fait n'importe quoi. Ah non, il aime. Il... Oh. Oh là là, mais on arrête pas de faire des combos là. Le jeu il s'est dit putain, ça fait méga longtemps qu'ils sont pas joués, qu'il y a pas fait de combat. Alors toi, qu'est-ce que t'aimes pas? T'aimes pas les boucliers? Ah, c'est peut-être pour ça que t'as eu mal.
Hop. Alors toi, je vais te mettre la douille de ta vie. Tu vas tellement souffrir. Oh, il a fait un saut de malade. Oh, c'est le one shot. Mais je suis plus trop fan du camembert en ce moment. Oui, c'est en ce moment, j'ai des périodes. Bon, je n'y arrive pas. Hop, on va faire un petit coup d'ignis. Enchantement, enchantement. Mais bon, tout ce qui est raclette, tartiflette, oh, tous les trucs bons quoi, c'est bon, moi j'adore. Alors je trouve pas l'item par contre. Tu viens d'entrer dans l'histoire. On vient en sanctuaire après, vous inquiétez pas. Je vous raconte un peu ma vie. Bon, c'est le temps qu'on trouve l'item de merde là. Normalement, il est au bout du chemin à peu près. Approximativement. Ça doit être sur les rochers, je pense. Ou à côté. Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Les fondants. Même si c'est pas un repas entre guillemets. Attention sur la gauche. Merci. Mais voilà, j'aime bien le chocolat aussi. J'aime bien le saucisson. J'attaque le premier. T'inquiète, ça va se faire en deux secondes les combos. On n'arrête pas d'en faire en ce moment, je sais pas pourquoi. On les écrase tous. Attendez. On va s'amuser. Merde. Oui. Bon, un combo. Je voulais voir leur faiblesse. J'avais fait un deuxième en plus. Yes. Ils aiment pas le feu. Merde. Ah, oh, putain, c'est vrai. Il n'aimait pas le feu. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de pro. Ta merde. D'où tu m'esquives, t'as pas le droit. Ah. Merde. Alors, déjà, si je prenais le bon truc, ça marcherait mieux. Allez. Ignis, tu vas faire un enchantement, comme ça on va faire encore plus de feu. Alors je pourrais lancer un sort de feu, mais bon, ils sont pas... On va lancer un sort de feu. Bon, attendez, on va récupérer ça parce que j'ai l'impression de faire plus de dégâts quand même. Parce que j'étais à 200 avec l'épée de feu et je suis à 300 et quelques avec celle-là. Donc la magie, hop, ça va chier sa mère. Comment régler un combat à des mecs Magitech? Attends, je vais pas te respecter. Je suis désolé. Voilà. On a rien respecté sur ce combat. Oh, mais les dégâts! Eh, je suis seul à être choqué d'être monté à 2000 de dégâts avec un coup basique. Peut-être parce que j'ai activé l'enchantement d'Ignis, mais je pense pas. Oh, on a fait un massacre! À moins qu'ils étaient. Peut-être parce qu'ils étaient dans le feu. Je suis outré, putain. Les dégâts qu'on a fait, c'était hallucinant. Je suis sur le cul. Je suis sur le cul. Alors, ouais, parfait, c'est ça que je voulais. Enfin, j'en voulais pas spécialement, mais genre, c'était l'équipement qu'il me fallait. Voilà. Je reste sans voix. Après les dégâts de... Je me souviens même pas avoir fait autant de dégâts en étant level 38. Hein. Bon, j'exagère un peu, mais j'en ai pas le souvenir en tout cas. Je peux absorber d'ici. Oui, je peux. Ah, je suis plein en glace. D'accord. Par contre, le sanctuaire, il est où? Putain, mais pourquoi le truc de glace est là alors que le sanctuaire est tout là-bas? C'est bizarre. Hop, on absorbe. Ah, je vais pas avoir assez. Ah, putain, il manque que dalle. C'est nul. Hop. On va choper le feu. Le feu est où? Il y a. On a tapé du 2000 en coup basique. Bon, je pense que sur l'enchantement d'Ignis, c'est le fait qu'il soit dans le feu qui a fait autant de dégâts. Mais putain, la vache. On a fait mal, hein. Ok. Putain, mais vous en avez pas eu assez? Je vous ai mis. Qu'est-ce qui est sorti? Ah, c'est un robot. Putain, il me paraît bizarre le robot. Ah, si, c'est un robot. Si, c'est un robot comme tous les autres. Enfin, plus ou moins.
Enfin bref, on va s'arrêter là pour cet épisode, j'espère que ça aura plu. Du coup, on a récupéré tous les objets que je voulais, on est allé au sanctuaire et tout, tout va pour le mieux. Après on ira... Bon, au prochain épisode, on a le temps. Faut que je m'étire. Enfin bref, on va s'arrêter là pour cet épisode, le prochain épisode du coup, on finira je pense les quêtes secondaires, plus ou moins. On fera peut-être le début de donjon, je dis bien peut-être, ou alors on ira à l'entrée, je ne sais pas, on verra. Parce qu'il y a encore quelques objets à ramasser quand même, faut pas déconner, il y aura aussi un... une séance photo à faire, enfin vous inquiétez pas, on est loin de la fin du jeu. Voilà, pour ceux qui sont inquiets, si on se rapproche de la fin du jeu, on est loin d'être à la fin du jeu. De toute façon, je l'ai dit, il y a un truc au chapitre 6, c'est-à-dire qu'il y a 6 chapitres, on est qu'au chapitre 3 les gens. On a fait une bonne partie de la map quand même, hein. On a pas tout fait encore, il nous reste ça et toute la partie gauche, mais sinon je trouve qu'on a quand même fait une bonne partie de la map. Et on va dire qu'on a fait un peu moins de la moitié, ou la moitié. Enfin, si, peut-être la moitié quand même, faut pas déconner. Donc dès qu'on aura fait toute la map, dès qu'il nous restera que des quêtes secondaires, on sera plutôt bien. Même si techniquement, quand on aura fait toute la map, on aura fait toutes les quêtes secondaires. Pratiquement, plus ou moins, enfin bref, vous voilà ça en temps voulu. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Comme d'habitude, je le redis encore une fois, au prochain épisode, on fera que du secondaire quasiment. Peut-être qu'on commencera le donjon, on sera à l'entrée. N'hésitez pas à mettre des commentaires, donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut.